Alors, comment avoir un code d'accès et un compte d'accès sur mon site? Eh bien, c'est très simple, il faut devenir un de mes élèves. Alors là, je vous donne un code. Et là, si vous n'êtes pas un de mes élèves, je ne vous donne pas de code. C'est dur. Oui, c'est dur, mais c'est ainsi. Bah écoutez, on ne peut pas non plus tout donner non plus.